Ouais Charlie, bien ou quoi? Ouais, tranquille et toi? Ouais, ça va. Vas-y, viens, on va se zipper, on va prendre un petit fica. Non, la prochaine, je suis dans le speed là. Eh, hey, mais t'es Géchard ou quoi? Non, t'inquiète, c'est rien. Eh, hey, frolo, t'es connu maintenant. Fais bérec, frère. Fais bérec. Si maintenant je suis connu, ne crois pas que j'en rêvais. Depuis le début, ma carrière n'est faite que sur du vrai. Oui, je sais que j'ai fait trop de feat avec des connards. Dès que j'avais le dos tourné, ils me traitaient de bâtard. Les lumières, les caméras, j'avais pas prévu tout ça. Tout a démarré après ma sortie du Carplat. J'ai big rap pendant qu'Ayam et NTM faisaient des tubes. J'avais pas le choix car pour la famille fallait des thunes. Je connaissais pas les télés, les radios, les photos. Je transportais de la coke pendant que d'autres faisaient des vidéos. J'étais dans l'illégal même avant d'être un ado. Si j'arrête de rapper, c'est que l'État a eu ma peau. Alors où t'écoutes mon CD, je peux être en garde à vue. J'ai toujours eu des juges sur mon dos. T'as vu ma parole. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc je charge mon flingue, moi-même son programme. Rapper avec James ou un inconnu, ça me fait le même effet. Si je dois dire nique ta mère, eh bien ça je le ferai. Je suis pas là pour me vanter, parler de ceux que j'ai aidés. Mais si ils ont oublié qu'ils aillent se faire baiser. J'ai pas attendu de signer pour avoir un compte en banque. C'est la rue qui m'a donné mes thunes quand j'étais en planque. Qui t'a dit qu'entre Booba et moi y aurait un morceau? Qui t'a dit qu'entre Rolf et moi ça veut plus d'époque? La rage de vaincre depuis l'époque des Tobacco. J'oublie pas que j'ai fait la moitié de ma peine avec Kako. Avec Wilson et Diogo, on a fait les 400 coups. On était jeunes, on était dingues, putain, on était fous. Haïtiens, Comoriens, Algériens, Marocains. Le rap était encore loin dans ce putain de bâtiment 1. Le Mali, le Sénégal, où j'ai toujours fréquenté. J'habitais au milieu, c'était mes voisins d'un côté. Ma rencontre avec Menace a mis le crime sur un disque, sur chacun de mes albums. Écoute, y'a un indice, paraît-il que le CD du Menace Crew ne se fera jamais. Que mon prochain album, c'est pas Picos qui le ferait. Allô? Ouais, allô Ali, ouais, c'est quoi cette histoire là? J'ai eu Karim au téléphone, il m'a dit que t'es venu chercher la meilleure là. Si, si. Et t'as bougé? Ouais, j'ai un rendez-vous important, mais faut que j'aille tout seul, je t'expliquerai. Avant de demander le rue 2, achète déjà cet album. Quand j'ai fait mon premier top, j'étais seul, sans personne. Vultaneuse à la Courneuve, c'était bagarre et le deal. Opposé sur des grosses compiles, première classe et hostile. Je suis là parce que les balles m'ont touché que mes carreaux. Faut attendre encore pour apprendre ma mort dans les journaux. Avant d'être reconnu, je ne portais que du cosla. Pas sponsorisé, je faisais que des chouara. La playlist ou les clips ne changent pas mon passé. Si un bâtard veut ma peau, donc je devrais l'effacer. Est-ce que tu m'aimes moi ou bien t'aimes Alibi Montana? Si un jour je n'ai plus rien, seras-tu toujours ma nana? Est-ce que tu roules avec moi? Vraiment pas sincérité. T'es mon pote ou tu n'es là que pour l'opportunité? Dédicace à ce qu'on voit, les mondes à cash nous ont pris. C'est dans la galère que tu remarques vraiment qui est qui. Mes ennemis, je les connais, mes amis, pas vraiment. Ma confiance putain, ça je ne l'accorde que rarement.